Donc on va continuer notre présentation des éléments d'interface. Et du coup, on va s'attaquer maintenant à la création de checkbox et de boutons radio. Donc en fait, ça va être encore une fois assez simple. Hein. Du coup, on va venir faire entrer ici. Et je vais appeler ça ma checkbox. Ma checkbox, deux points. Et ça sera checkbox. J'ouvre. Hop là, mes accolades. Ça, je supprime parce que ça va vous faire un problème juste après. Je vais tout de suite faire ma virgule backslash sur à la fin de la ligne. Et à l'intérieur, je vais lui dire, voilà, donc texte, exactement pareil que pour le bouton. Et je vais appeler ça ma checkbox. J'enregistre. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là, je vais fermer ce panneau. Je vais faire script. Je lance interface. Et là, on a bien ma checkbox ici. Pour les boutons radio, ça va être exactement la même chose. Donc là, j'ai appelé ça mon bouton radio. Deux points. Ça va être radio button. Texte, deux points, mon bouton radio, virgule, backslash. Donc là j'enregistre et là je vais ouvrir, fichier, script, interface. Et là on a bien un bouton radio et une checkbox. Donc un bouton radio évidemment, si on n'en a qu'un ça ne sert pas à grand chose, par contre si on en avait plusieurs, ça fluctuerait entre chaque. Donc là, on va. Depuis tout à l'heure, je vous mets encore en mode colonne. Par contre, qu'est-ce qui se passerait si jamais ce petit bouton ici, là, cette petite orientation, je la passais en row, donc c'est-à-dire en ligne. Donc je vais enregistrer et je vais venir réexécuter mon script. Et là, on voit que nos boutons se sont alignés les uns aux autres, donc sur une même ligne. C'est-à-dire sur une ligne. Par contre, derrière, tous les groupes seront quand même en colonne. Sinon, il aurait fallu mettre row ici, et du coup, l'orientation aurait été en ligne pour toute notre interface.